vendredi et 5 janvier 2018. M'a rappelé que émission Matin Débat, nous connaissons déjà, c'est pas une émission. Côté que gagné et parole Timoun Piti qui parlait la donne. D'ailleurs, nous prenons de gros engagements. Et dans le pays, ça. Et c'est pas sans raison qu'on voit que chaque bagaille qui dit dans l'émission Matin Débat, ou que les gagnants, ils ont répercussions. Et sous société, ya. Je crois que jusqu'à présent, nous, c'est un grand journaliste, là, nous parlons dans le pays, ya, ça nous dit, ya. Et puis, ouais, que lui, pratiquement, été dans l'opinion pendant des semaines, pendant des jours. Est-ce que nous pas remarqué ça? Nous, c'est un grand journaliste dans le pays, là, nous parlons. Ça nous dit, ya, il été pendant des jours, et même des semaines, dans l'opinion. Et non sans ou bien non l'autre, hein. Non sans ou bien non l'autre. Et il y a des gens qui prennent, utilisent, ça nous dit, en fait, les détracteurs, ils mettent le sens par eux. Et mais il est clair que vous êtes capable de rendre compte de l'impact que l'émission Sali même a sur le pays, sur la société. Ça veut dire que nous, même nous, avons un comportement que nous sommes obligés d'adopter chaque jour. Ça veut dire que nous sommes très fragiles. Et grand pile précaution que nous prenons, et même dans l'exercice métier que nous faisons, même dans le fonctionnement et de tous les jours. Et nous avons rappelé, pas gagner nous dit ici hein, que nous pas assumer. Ok? Et moi toujours dit, pas gagner nous dit ici hein, que nous pas assumer. Yon seul bar m'a dit, microphone Matin Débat, pas gagner aucun politicien qui a utilisé pour faire diversion et pour faire stratégie politique. Ok? Et là, on a goûté politicien tout, les ou fait action, faut capable de ramasser sa coup, faut capable de prendre responsabilité, ou. Parce que pas qu'un monde qui prend le bout. Mais dis ça déjà que, quel que soit, et politicien qui pensait être capable d'utiliser l'émission Matin Débat, et pour faire diversion, ou bien pour, et créer zizanie, ou bien pour induire l'autre monde dans l'erreur, eh bien, pas bon, si c'est vous-même qui appelez pas moins, c'est vous qui appelez. Parce que vérité, on a tout dit, et qui tout d'accord, qui tout pas d'accord, qui tout fâche ou pas fâché, mais vérité, hein. Donc, on a toujours dit, yon seul bagaille, nous connaît que ici, hein. Et nous avons une histoire dans la radio, déjà. Qu'on côté que nous autres, qu'on côté que nous sortis, et qu'il y a des erreurs, on moune pas fait deux fois dans la vie, ok? Donc, et nous pas gagné la science infuse, et ni nous pas moune foutu, ok? Ni nous pas égaré tout, ok? Donc, nous sommes sous lit, donc, Matin Débat, nous jouons nous, gens que nous devons jouer, jusqu'à ce que nous connaissons que l'objectif nous voulons atteindre, eh bien, l'y atteindre. Parce que je dis, il faut tout pays à connaître ce qui a passé dans le pays. Avant de m'entrer dans le détail, qui a un rapport avec les politiques pays, je vais inviter tout le monde pour acheter le livre, ça, de Gary Olius. Gary Olius. Et, qu'est-ce que nous ça? Gary Olius, qui sortit dans l'édition C3. De Monsieur Fred Boutus, ancien candidat à la présidence. Et très bientôt, on a ouvert une parenthèse, on fait net dans l'émission ça, donc pour l'équipe de C3 édition. On bouge ça? Parce que, bien, longtemps là, Fred Boutus, là, font un travail extraordinaire dans le pays, hein, et dans la question littérature là. Et C3 édition, bien, longtemps là, vraiment, il a produit des auteurs, et je pense que c'est extrêmement important à ce que nous baillons ça en place dans l'émission Matin Débat. Donc, édition C3, et moi-même, Baba Noumati, c'est, pour moi-même, c'est une révolution. Et je pense que nous, bien, pour nous faire parler avec M. C3, pour nous connaître dans une année combien livres sont arrivés mettre sous marché, combien auteurs que sont arrivés mettre en signature. Donc, moi-même, invite tout le monde pour nous lire livre et M. Gary Olius. Haïti malade de son système financier et de sa bureaucratie fiscale. Donc, c'est premier haïtien. Moi qui, et qu'on livre sous système bancaire, qui dénonçait ça qui a passé la banque. Et on a pu recevoir M. Gary Olius très bientôt. Et nous invitons déjà, on a obtenu réponse C3 pour nous faire une émission spéciale avec M. Gary Olius qui fait signer un livre là, qui relait Haïti malade de son système financier et de sa bureaucratie fiscale. Donc, moi, c'est extrêmement important. Et c'est yon nan ra haïtien, c'est pour une fois mon nègre, monsieur écrit sous système bancaire. Nous avons dénoncé qu'il y a un banquier, pas bon. Donc, moi, c'est extrêmement important. Et moi, c'est fort que nous sommes capables de vraiment faire une interview ensemble avec monsieur Gary Olius. Donc, monsieur
focus sur banque fonctionnement yo, tout abus que banque a fait à la société haïtienne. Ah, ça sont gros, ça sont gros démarches, bien matin. Là, on est décidé et attaquer banque, ou du moins parler de mauvaise foi banque, de fonctionnement, yo, qui gens, yo. C'est un citoyen qui prend responsabilité. Ah, monsieur prend responsabilité. Parce que, gagne des bagages, il faut que des mouns qui parlent. Ah oui. Il y a pas de mouns. Ensuite, c'est pour un système, mouns qu'on est en pile, mouns qu'on est. Bien sûr, bien sûr. Et, là, qu'on est mouns l'argent qui s'est le café dans nos pays misérables. Ah oui. Ah oui. On a que l'argent qui s'est le café, vieux ou pas v'lait dire rien. Donc, là, ouais, on jeune, prend responsabilité. On haïtien prend responsabilité pour parler d'un série de bagaille. Et c'est quand même bon, même si pays ici ou est valeur commencer et a méprisé valeur moun qui gagne valeur pas gagne valeur son pléonasme, mais c'est un coup de chapeau. Eh bien, donc Gary Olius, monsieur Gary Olius, mais donc nous, monsieur, comment mettre l'argent à la banque? Monsieur mettez à nu. On mettre l'argent à la banque et vous pas même compte ça relé la banque. Non, non, c'est pas possible. Son livre vous nous gagnez, son livre vous nous lit. OK? Donc et c'est Haïti malade de son système financier et de sa bureaucratie fiscale. Donc c'est Gary Olius donc qui est donc l'auteur et livre s'associe donc sous couverture et c'est 3 édition et n'a pas fait des matchs là pour nous capables et pour finir ou du moins c'est un rendez-vous pour nous capables de gagner une interview exclusive avec monsieur Gary Olius donc sous et livre s'il y a ce livre par là que il mettait dehors. OK, bon dossier deuxième lundi du mois de janvier avant nous venir sous question opposition nous tendez sous question durée mandat sénateur. Nous tendez plusieurs intervenants, nous tendez sénateur Youda Tortue. L'éclair, il dit que, comme président du Sénat, le sénateur a pérété. Et pas ça, nous tendez? Nous tendez qu'il y a Augustin, nous tendez un paquet de l'autre monde tout. D'après tout le monde qui a dit, et d'après le sénateur Youda Tortue, lui-même personnellement, comme ancien président du Sénat, Non, Louko. On a fini, chef là. Non, il peut qu'on finit. Quand il a fini quoi? Non, il peut qu'on finit. Qui l'a fini? Youda Tortue, c'est président Chambre Sénat. Ancien président du Sénat. Non. Toujours. Qui l'a fini? Non, l'a fini. Qui l'a? L'élection. Ah, mais maintenant, monsieur. Non, toute élection pour qu'on fait. Mais maintenant, monsieur. Non, mais écoutez, Louko, où est-ce que tu dis, hein? Si date là arrivé, l'élection n'est pas faite, c'est président, oui. D'accord. Non, mais c'est président. D'accord. Ok, n'a pas allé jusqu'à présent, le président. Non, président. Président, ok. Mais c'est l'ancien. Non, président. This is Jana. She paid off all her student debt by making YouTube videos. Here's how she did it. Hi, my name is Jana and my channel name is XO Jana and I make DIYs and beauty hacks and I have around 400,000 subscribers. I wanted to be a creator because I was very artsy and so I needed an outlet. I needed a way to express that. And so I decided to do a nail art tutorial channel. I started my first channel in 2012 and it was frustrating because I wasn't really getting anything out of it. I was not inspired, I didn't like filming it, I didn't like editing it. I wasn't getting a lot of engagement compared to my competition. I just took a vacation and then just never uploaded a video after that. I was actually planning to upload a video once I got back home, but I just never followed up. I've always had a 9-to-5, but I just wasn't made for that. I definitely knew you can make revenue off YouTube. I just didn't know how to get there. Président, ok. Mais c'est l'ancien. Non, président. Président, you. N'a pas besoin d'abri à l'hymne, ça. Non. Non, c'est. Mais deux jours, justement, non, deux jours, ça le café. Samedi, dimanche, lundi. Un pile bagaille. Il y a un papier, il y a un café. Un pile bagaille qui a fait. Qui ça le café dans 3 jours qui était là? Alors, et un thème parlementaire, là, c'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée à qui. Pas un coup d'état parlementaire qui a fait dans 3 jours là, non? Hein? Qui ça? Pas un coup d'état parlementaire qui a fait en 3 jours qui était là. Un coup parlementaire, ça pas existé, coup parlementaire. Quand un coup parlementaire? Coup d'état parlementaire? Non, coup d'état parlementaire. Ça pas existé? Mais c'est nouveau, mon frère, dans le vocabulaire. Non, c'est Jovenel Moïse, président, a utilisé le déjà. Ah?
écoute, écoute. Hein? Degré connaissance président au niveau parlement. Et pas mettre la cause. C'est parlementaire, c'est normal pour. Le président du pays. De l'Assemblée nationale. Ancien président. Non. Dis pas quoi. C'est président. Ok, nous tendez président Sénat. Et alors, Jean-Claude Martin dit là, c'est que jusqu'à ce que l'élection, c'est le président du Sénat. Ah oui? Parce que jusqu'à présent, c'est le troisième personnage du pays. Jusqu'à ce que l'élection. Tout le monde intervenu là, nous tendez que mandat sénateur, Dieu mandat, pour aller jusqu'en 2020. Ma partie attention de matin son grand bagaille. Et ça fait me dire que le dossier ça allait toujours sous table matin débat. Même si on a suivi le dossier, Gouna arrive là. Pas un dossier n'a suivi là. C'est les bas là. Les dates l'arrivée et séance l'arrivée nous dit que nous finissons. Mais le dossier, ça, son dossier n'a suivi. Madame, monsieur, comment expliquer le silence du président de la République sur cette question? Ah? Bien matin. Le silence du président Jovenel Moïse sur la question de la durée du mandat des sénateurs fait peur. C'est Martin Desbaliers. Moi, dis-nous que nous entendons tout le monde parler là. Parce que